Bonjour, pour qui fait besoin de nous, et c'était bon matin, et nous arrivons dans le topic conversation. Pareil, moi, c'est Nzipi Bonnet, dans le topic conversation, aujourd'hui, il m'a dit, nous cause inciser la santé. Et aujourd'hui, nous pour cause une conférence qui pour faire bientôt le soin la santé primaire. Et pour aider nous, quand plus de détails, nous cause avec secrétaire principal pour la santé, Dr. Bernard Valentin, qui peut donner nous un petit peu plus de détails. So, docteur, nous pour cause la conférence soin la santé primaire. Et ça est pour faire durant 3 jours. On nous cause un peu lui-même qui bise sa conférence. Bon, l'année passée, 2018, tu fais 40 ans depuis que tout bon pays le monde, tu joins ensemble dans la ville en l'Union soviétique qui s'appelle Alma-Ata. Et pendant sa conférence, 40 ans passés, tu signes une déclaration qui s'appelle Déclaration Alma-Ata. Et sa déclaration Alma-Ata, tu donnes naissance à sa concept soin la santé primaire. Donc, il fait 40 ans depuis que sa déclaration est signée. L'année passée, tu fais une autre conférence pour voir qui quantité la santé dans le monde a progressé depuis sa déclaration. Donc, so, nous dis, nous aussi, c'est celle, il est nécessaire qu'il nous fasse sa réflexion. À cause de la quantité de quelque chose qui est passé, c'est celle. Quand c'était quelque chose qui ne changeait, mais nos systèmes sur la santé primaire est plus ou moins pareil, nous t'y concevoir les 40 ans passés. Alors, il est nécessaire pour nous joindre ensemble, pour nous voir qu'est-ce que ça que nous besoin, nous peut faire bien et que nous devrions garder, mais qu'est-ce que ça aussi que nous peut faire pas trop bien, que nous devrions changer et que les autres idées que nous capables de mener pour améliorer sa soin que nous donnons. Dans mon district, dans mon clinique, surtout, dans mon centre de la santé, que nous faisons sur la santé primaire. Et justement, nous avons servi un thème pour ça. Et le thème, c'est la santé pour nous tous, partout et par nous tous. On nous cause un petit peu de ce thème. Lui-même. Bon, ce thème, il aussi reflète l'esprit sa déclaration qui est signée 40 ans passés. À cause de l'authenticité de sa déclaration 40 ans passés, l'objectif, c'était pour faire ici que tout le monde, il gagne accès avec soin de la santé par l'année 2000. Ça c'est souhait le monde. Nous, c'est celle, nous réussissons bien bonnet, après sa déclaration, après que sa déclaration est signée, nous réussissons à donner accès soin de la santé pour ce qui toute nos populations. À cause depuis que la santé est venue pas payer, dans l'année 70, dans l'année 70, tout le monde a gagné accès avec la santé primaire, soin de la santé primaire. Ça veut dire que nous avons atteint ça l'objectif. Mais quand même ça, nous avons besoin aussi de guetter aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut servir sa service de la santé qui est à notre disposition? Est-ce qu'ils peuvent servir? Est-ce qu'ils peuvent venir? Ou bien, si ils ne peuvent pas venir, à cause de ne pas venir? Qu'est-ce qui est mal avec service, peut-être qui peut faire les autres pas venir? Donc, nous pouvons faire toute sa réflexion. Nous, thème, il basé sur le fait que, pour nous, comme un pays, nous sommes contents de pas quitter personne derrière. Et ça est en ligne avec ben, l'objectif développement durable. Si nous ne parlons pas quitter personne derrière, alors nous pouvons faire une réflexion, le soin de la santé primaire, pour faire ainsi que tout le monde, partout dans ses cellules, il gagne l'accès avec le soin de la santé, il servit sa service de la santé qui est à notre disposition. Eh bien, si en faisant ça, nous empêchons la maladie, bonheur, et si nous sommes malades, nous détectons le bonheur et nous faisons ainsi que personne, pas gagner qui derrière. Et sa conférence, lui-même, il peut faire durant 3 jours côté l'hôtel à Vanny. Justement, nous pouvons causer l'objectif. Mais quel est l'objectif spécifique? Bon, l'objectif, est un peu pareil. Mon fait dire. L'objectif, premièrement, c'est pour guetter qu'est-ce que ça qui nous peut offrir et qu'est-ce que ça qui nous peut faire bien aujourd'hui dans nos systèmes sur la santé primaire. Qu'est-ce que ça aussi qui nous peut faire mal ou bien nous ne pouvons pas faire trop bien et à cause nous ne pouvons pas faire ça dans quelque chose pareil que nous avons souhaité. Et qui est nouveau élément qui nous besoin de mettre dans nos soins de la santé primaire pour faire ci qui répondent à bonne expectation et à bon besoin sa population qui nous peut servir. Ça y est en gros raison à cause de nous peut faire sa conférence. Et dans ce mot, quel
primary healthcare, soit la santé primaire, et dans sa mon care, et mon comme si tout ce cas existe des chiffres, qui vraiment sa mon care là-dedans, qui vraiment son signification. Bon, care veut dire soin. Et si nous get philosophie sur la santé primaire, ça care il besoin de donner par bon professionnel la santé, loin côté oui, sur so, un bon docteur, bon nurse, bon physiothérapeute, etc. qui besoin donne sa care. Mais il pas juste là. Il y a aussi bon care qui nous donne dans la cour. Qui care qui nous donne dans la cour? Lequel qui donne sa care dans la cour, sa soin dans la cour? Et qui support qui nous système la santé nous capable porter avec bon dimoun individu simple qui peut donner soin dans la cour? Je vais donner un exemple. Par exemple, nous connaissons pour dire oh, ici c'est l'aujourd'hui, il y a à peu près 3000 carers. Ça, bon care, vous n'êtes pas professionnel de la santé. Mais autres, si je peux donner care, et sa care que je peux donner, il est important. Il supporte le travail que bon professionnel de la santé peut faire. Alors, ce qui m'a nous, bon professionnel de la santé, nous avons donné support. C'est un bon dimon ordinaire qui peut donner care dans la cour. Il y a aussi un care qui peut donner par bon même famille qui n'est pas care. Mais c'est moi qui peux aussi donner soin. Qui m'a nous pour supporter sa bon soin que je peux donner. Mais il faut nous imaginer aussi que soin dans nous dit la santé primaire, soin la santé primaire, nous pas payer juste cause l'eau indimoni malade et qui meilleur donne les soins. Nous payer aussi cause l'eau prévention. Dans sa mot soin, il y a aussi en prévention. Qui meilleur nous fait prévention pour empêcher du monde malade. Et voilà, ça, tout ça va nous ciser, nous pour discuter dans sa conférence. Soin la santé primaire, il besoin d'abord et avant tout accentuer la prévention. Et nous pouvons discuter plusieurs méthodologies de prévention que nous devons adopter aujourd'hui ici Cécile pour faire essayer que nous n'avons pas de maladie cardiovasculaire, nous n'avons pas de maladie pareille diabète, nous n'avons pas de maladie pareille cancer, de maladie chronique, mais aussi de maladie transmissible. Par exemple, de cisée, leptospirose, etc. qui m'en y est nous stricter nos systèmes sur la santé primaire pour faire essayer qui ensemble avec les autres partenaires de la communauté sa bonne maladie pas arriver ou bien s'y arriver y réduire considérablement. Il faut de nous noter que vous dites nous dans la santé nous pas qu'à travailler nous tout seul dans ces efforts, il dépend aussi les efforts plusieurs partenaires et nous pouvoir qui moyen bon partenaire qui a travaillé avec nous pour faire que nous la santé nous pep et il élevé et continuer élevé. Existe-t-il docteur de sa trois jours conférence lequel ben du monde qui peut atteindre sa conférence? Bon, nous invite plusieurs groupes du monde, bien sûr pour un bon professionnel de la santé et puis pour un bon partenaire, à cause d'un partenaire important, et pour un bon partenaire sorti dans différents ministères dans le pays, et pour un bon partenaire qui sorti dans la société civile, et pour un aussi bon partenaire qui sorti dans le secteur privé. Et nous possédons des trois représentants sortis à l'étranger. Nous prenons des dimons sortis côté WHO. Après, nous prenons un monsieur mauricien qui pour venir pour partager un peu l'expérience maurice dans la santé primaire. Ça fait 10 sacs de dimons. Nous avons notre contribution aussi pour faire. Voilà. Voilà. Nous, il y a plusieurs façons que nous pouvons faire sa contribution. Nous sommes capables de demander des questions, faire ces sessions. L'un côté. Nous aussi, nous avons un bon pays qu'on appelle group work. Qui pourrait faire que vous pourriez donner un topic spécifique pour débattre l'eau-là et pour arriver à certaines conclusions, recommandations. Et puis aussi, nous prenons ce qu'on appelle bonne parallel sessions, comme si bonne session qui peut prendre place en même temps pour dire mon débattre encore le bonne sujet spécifique que nous pouvons donner pour débattre l'eau-là. Et la conclusion de sa conférence est supposée des trois résolutions qui après nous pour présenter avec bonne l'autorité d'un pays pour nous avoir si sa bonne résolution qui met en pratique. Est-ce qu'il y en a une nécessité ou quoi pour mettre l'emphase ou soit pour améliorer la santé primaire? Bon, un système la santé n'importe système pas capable satisfait avec ça qu'il peut faire. Et tout le temps on a place pour améliorer. Et nous nous sentons, pour dire, nous aussi, nos systèmes de la santé primaire, il besoin d'améliorer. Nous besoin mettre un peu plus dans phase la qualité de bon soins qui nous offert. Et nous besoin aussi mettre dans phase beaucoup plus d'efforts
pour nous empêcher de maladies qui peuvent arriver. Aujourd'hui, c'est celle arrivée. Nous avons besoin de mettre beaucoup plus d'emphase sur la prévention de maladies non transmissibles et aussi la prévention de maladies transmissibles. Justement, qui est la bonne façon que nous capables d'améliorer ça, l'interaction entre le service de la santé lui-même, de la communauté et le service de l'hôpital? Well, il y a différentes façons. L'état nous cause sur la santé primaire, nous ne pouvons pas trop aller dans l'hôpital. Nous pouvons plutôt rester le ça qui nous offert dans la clinique. Il y en a un peu sur la santé primaire qui nous offert dans l'hôpital, mais c'est plutôt ça qui nous offert dans la communauté, dans la santé. So, il y en a différentes façons qui sont bonnes partenaires qui ont participé. So, premièrement, nous sommes contents, par exemple, qu'ils connaissent qui nous peut offrir. Et ils donnent nous la main de planification. Aussi, ils donnent nous un coup de main dans l'évaluation. Ce que nous pouvons faire là, dans cette conférence, c'est plutôt une évaluation de nos systèmes de la santé au cours de 40 ans qui existent. Nous pouvons évaluer les, voir qui c'est ça qui peut marcher, qui ne peut pas marcher. Mais cette évaluation, il ne devrait pas arriver juste le temps de nous faire une conférence. Il devrait être une évaluation qui continue. Et alors, bon partenaire a un rôle pour jouer là-dedans. Dans les autres pays, il y a ce que nous appelons bon patient participation group. Peut-être ça y a quelque chose que nous pouvons discuter. Qui moyen nous involve patients, bon des monde qui servent sur la santé tous les jours dans planification d'autres services et qui moyen nous aussi involve autres, inclut autres dans évaluation bon quelque chose qui peut passer tous les jours dans clinique, dans service de la santé. Nous, système de la santé, il besoin répondre à besoin bon des monde qui servent les et nous sentir pour dire right now là comme là, il pas nécessairement peut totalement répondre à sa bonne besoin. Justement, ben nous cause la communauté, mais ben public, même public de la communauté autres même qui manière autant quand il intégré là dans autre. Well, bien sûr, pour un monde de conférence qui pour représente l'opinion publique. OK, nous pour faire ça, mais aussi l'état ça bonne résolution. Nous pouvons finir drafter les. Il prenait un moment qu'après conférence, nous pourrions sens débattre un peu le saban résolution. Mais dans sa conférence aussi, il y en a ça que nous appelons un chat la santé, un charter for health. Et ce charter for health, lui, il représente un peu sa contrat travail qui devrait exister entre bon du monde qui offre soin dans ses cellules et bon du monde qui recevra soin. Donc, à travers sa charte, nous envisageons de mettre devant bon point de vie, bon du monde qui sert le système de la santé. Est-ce que vous croyez qu'il devrait être en plus service de la santé, bon soin de la santé, et il devrait être délivré en dehors de bon centre de la santé? Bon, pour le moment, nous avons ce qu'on appelle bon centre de la santé qui est basé dans la clinique. Et dans le centre de la santé qui nous dit autre régional, d'un district, dans la santé qui est basée dans un district, d'un district et plus ou moins service sa district. Ça qui nous dit clinique là. Oui. Et puis dans le centre de la santé qui d'un district, mais seulement plutôt régional. Par exemple, si vous prenez l'Anse-au-Pin, même si dans l'Anse-au-Pin, il est supposé pour région liste. Ça veut dire des services du monde l'Anse-au-Pin, des services du monde au Cap, des services du monde la Pointe-Larie, des services un peu aussi du monde Cascade, Natalbo, comme ça. Centre de la santé Takamaka, il servit 10 du monde Takamaka. Centre de la santé Belazar, il servit 10 du monde Belazar. So, nous en avons déjà à peu près 17 centres de la santé. La question c'est est-ce qu'il nous besoin plus? Ça y a une réflexion qu'il nous besoin faire. Mais seulement, ce qui est plus important que la quantité et la qualité. Donc à l'avenir, nous les plus mettre en phase. La qualité au lieu de la quantité. Ça veut dire que nous pouvons donner soin là, on nous fait si nous donnons ça soin, le best soin qui possible, rather than on nous crée encore plus centre de la santé. À cause chaque fois qu'on crée un autre centre de la santé, avec bipromène, soi-disant, la santé plus pour ça avec des gens, aussi créer certains problèmes. À cause où besoin de staff pour mettre dans sa centre de la santé. Côté où gagner sa staff. Donc, on n'a pas assez de ressources voilà. Déjà. So, au lieu qu'il nous fait plus, nous mettre plus quantité, quelquefois nous devons faire une réflexion sur qui moyen nous pour élever qualité. Niveau. Niveau. Voilà. Maintenant, nous dit 17 centres de la santé. Oui.
Il suffit pour nos populations, quoi? Well, nos populations, il y a 100 000 du monde. Moi, nous faisons une bonne calculation right now. Tout du monde, il y a accès avec un soin de la santé dans 30 minutes. Dans 30 minutes, partout que tout est, c'est celle où il arrive côté la santé. Tout ça de la santé, il y a à peu près 5 à 7 km avec la case n'importe du monde, partout que tout est. Donc, nous sentons pour dire il y a un bon somme. Mais c'est maintenant besoin de continuer à faire sa réflexion côté encore, peut-être qu'il nous besoin d'un centre de la santé. Et si nous faisons l'autre centre de la santé, qui bénéfice additionnel il peut mener pour le public qui nous peut desservir. Nous n'avons pas toute la réponse, non. C'est sa bonne discussion que nous peut faire, il peut aider nous gagner certains sa la réponse. Nous besoin d'écouter ce qui dit mon dit, et nous besoin répondre à l'appel éventuellement dans quelque chose qui dit mon dit. Mais c'est mon bon dit mon aussi, besoin d'écouter. Qui bon challenge qui en a, le temps où mettre l'autre la santé, le temps où faire plus service. So, mon croyez finalement, il faut besoin d'une balance entre qui c'est ça qui possible et qui c'est ça qui pas possible. Qui pas possible. Existement de bonne santé, la santé lui-même, qui qualité professionnelle ou quoi il mérite en a. Bon, par exemple, nous pouvons dire qu'on a des qualités de la santé, une qu'on appelle bon dans le district et puis bon qui est un peu régional. Par exemple, l'Anse-au-Pin est considéré comme un régional, Anse-Boileau régional, même English River irrégional. Et puis, nous avons parlé de la digue, etc. So, dans sa bande qui est régionale, nous avons mis un peu plus de services. Et pareil, on voit, il y a des débats depuis certains états pour nous amener un peu de services spécialisés dans sa bande centre. So, nous avons vu que sa bande centre, la santé qui est régionale, il fait un peu plus. Et dans la discussion que nous pouvons faire avec nos bandes service users, nous bons patients et aussi nous bons les autres partenaires, nous tombons loin conclusion qui si ça bon service additionnel un peu plus élevé que nous besoin mettre de bon la santé régionale. Nous finis d'accord qui c'est ça que nous pouvons mettre de bon la santé disons par exemple bon centre de la santé mais de bon la santé centre de la santé un peu plus régional que nous avons ou faire plus lesquels ça bon service en plus que nous besoin mettre par exemple. Est-ce que, par exemple, nous avons besoin de mettre X-ray dans le centre de la santé régionale? Nous ne pouvons pas connaître si nous pouvons faire ça. Et si nous faisons ça, qui sont les implications? Est-ce que, par exemple, dialyse comme là, il y a dans l'hôpital Cécel, nous aussi, nous avons dialyse l'hôpital Bessintane. Dialyse, il n'y a pas un service centre de la santé primaire, mais est-ce que nous avons besoin à l'avenir de mettre ça, disons, dans un service centre de la santé? Régional. Ça est une bonne réflexion qui éventuellement nous pour besoin faire. C'est tout dialysé dans l'augmentation. L'augmentation et la quantité de monde qui besoin travel grande distance pour recevoir sa soin. Donc nous besoin faire une réflexion aussi nous pour ajouter un service comme ça qui pas soin la santé primaire mais seulement est-ce que nous besoin mettre lui aussi dans un centre la santé primaire. Dans le système actuel là, qui rôle un travailleur la santé dans la soin la santé primaire. Well, le rôle principal, c'est prévention. Depuis le monde existait, tout le monde connaît qui prévention est meilleure que guérison. Donc, le rôle principal, c'est faire prévention. Et quand c'était quelque chose qui dans le domaine prévention qui nous fait tous les jours, qui dit monde pas même réalisé. Par exemple, l'État nous donne un vaccin. Nous donne un tas vaccin parce que tous nos enfants ils prennent un vaccin, ils gagnent un vaccin et nous donne un tas vaccin. Ça est prévention. OK, l'état nous bonne santé, il m'a assez pas à tout, il fait si que l'environnement est propre, ça est prévention. So, il y a quantité et bon programme qui nous fait antenatal care par exemple. L'état nous voit bonne madame enceinte. Nous ajoute une quantité avant autre dans les autres baba, ça est prévention. Il y a bon travail que nous peut faire pour faire si que les autres baba il est bien et même sa madame lui il reste en bonne santé. Ça est prévention. Donc il y a quantité travail prévention que nous déjà peut faire et qui amène beaucoup de résultats. Mais c'est maintenant les autres travail de prévention là que nous besoin augmenter pour faire si que tout ça bon maladie non transmissible pas continuer à augmenter. Qui moyen nous pour faire prévention par exemple aujourd'hui pour faire si qui on pas connaît bonne maladie cardiovasculaire diabète etc pas augmenter et aussi les temps où il gagne un gagne une maladie cardiovasculaire qui moyen nous pour faire ça que nous appelle secondary prevention par exemple pour empêcher les gagne complications. Tout ça là, il tombe dans le domaine travail qui est un professionnel de la santé, dans la santé primaire, il besoin faire.
quelle qualité support national là, qu'ils ont besoin là actuellement pour assez succès au niveau communauté. Bon, nous sommes contents que tout le monde CCL il réalise son rôle de prévention. Tout le monde. Et tout le monde a un rôle pour jouer dans la prévention, tout secteur, tout ministère. Bien sûr, nous-mêmes, nous commençons sa campagne Mon la santé, mon responsabilité. Du monde, nous croyons déjà bien au courant qu'il y a besoin de faire pour son propre la santé. Mais il y a aussi une question qu'il nous a besoin de faire pour la santé de nos voisins. Ça veut dire nous l'aide dans nos causes prévention, et prévention pour plus nos maladies, prévention pour plus nos enfants malades, prévention pour plus nos familles malades, mais aussi prévention pour plus nos communautés malades. Donc, prévention et responsabilité tout du monde, d'un côté, mais aussi tout secteur dans la société de l'autre côté. Et clair, le service de la santé est clair qu'ils ont besoin de beaucoup de ressources, de quoi travailler, c'est tout. Mais est-ce qu'il y en a les autres ressources, quelquefois ailleurs, qu'ils sont capables peut-être de taper la porte? Bon, bonne ressource qui nous servent dans le système de la santé primaire, que nous peut focaliser sur la santé primaire, bonne ressource qui nous besoin, mon quoi, nous plaise au moins un an. Mais c'est ma ressource, il y a une question. Il y a une question. L'argent, oui, il y a une question l'équipement, mais il y a aussi sa question ressources humaines. Et mon moment où nos plus grandes défaillances aujourd'hui, c'est ressources humaines. Et bien, les ressources humaines qui nous ont besoin pour la santé primaire, il n'y a pas juste docteur, il n'y a pas juste nurse, mais il y a aussi du monde qui fait statistique, il y a aussi du monde qui fait planification, il y a aussi du monde qui fait recherche. Donc, tout ça, il y a quelque chose que nous avons besoin pour nous connaître exactement ce qui peut passer dans nos systèmes de la santé pour nous faire une bonne décision. Sur mon point, ressources, si nous pouvons mettre en face les ressources, et plus ou moins une question ressources humaines. Et ça, ressources humaines que nous avons besoin, pas nécessairement juste docteur et nurse. Nous avons besoin de nurse, nous avons besoin de docteur, mais aussi nous besoin aussi dans les autres cadres qui, quelquefois, du monde, pas ni même imaginer pour dire que ça cadre important dans la santé. Pas besoin de la santé. Soins sociaux et la santé, les mêmes, qui m'aiment les autres, gagnent intégrer les autres? Bon, ministère. Les affaires sociales, le ministère de l'Éducation, il y a un partenaire clé dans ce que nous pouvons faire, nous, comme la santé dans le district. C'est un partenaire extrêmement important. Si vous avez, même le niveau de soins qui donne dans la cour par un bandit monde qui n'est pas professionnel de la santé, ça est toujours un travail entre collaboration entre secteur social avec secteur de la santé, mais aussi dans. En sa collaboration dans les autres domaines, par exemple, nous pouvons collaborer pour un PIS Labis Enfants, par exemple. Dans plusieurs domaines, nous pouvons collaborer. Qui est-ce que nous devons le temps? Nous pouvons être professionnels, surtout nous professionnels CCLOA. Qui est-ce que nous devons développer un rôle pour nous être professionnels CCLOA? Bon, mon quoi, il y a quelques programmes qui sont déjà en cours pour développer professionnels CCLOA ou bien pour amener plus professionnels CCLOA dans la santé. So, je ne connais pas si je me rappelle, mais c'est moi qui dis à la télévision que nous commençons un programme right now dans NIHSS qui s'appelle Access Program. Et ça, son but, c'est amener plus de monde pour faire un programme fondation dans NIHSS et à travers ce programme fondation, je t'ai gagné formation pour les autres niveaux, pour les autres une carrière dans la santé, soit une carrière nurse, soit une carrière sanitaire, etc. Nous avons ce programme. Et puis, nous pouvons continuellement élever niveau bon professionnel qui a déjà existé. Par exemple, pour capable qu'on ait pour dire, deux trois semaines passées, une quantité de nurse qui a gagné bachelor. Une bonne nouvelle pour nous, ça. Oui, d'un programme qui nous a développé avec l'université Chamberlain, l'Amérique, il y a un master's, il y a un bachelor's degree, plus grand nombre de nurses qui ont gagné ce degré en même temps. Et nous connaissons pour dire l'année passée, c'est dans 10 docteurs, c'est celui qui est retourné après qu'ils ont fini l'étude. Ça, l'année, il y en a 17. 17 docteurs, c'est celui qui est retourné. So, dans 2 ans, nous pouvons gagner 27 docteurs, c'est celui en plus. Bien sûr, ce docteur n'a pas encore fini l'étude, il a besoin de spécialiser. Mais c'est moi, nous, l'état, nous causons avec Banzen, le bon carrière qu'on a dans la santé. Nous disons, mais un docteur, oui, mais une nurse aussi, mais une sanitaire, mais il y en a les autres professions de la santé qu'on a besoin du monde.
Nous avons besoin de monde, par exemple, pour faire un travail, par exemple, on appelle travail laboratoire. Nous avons besoin de monde pour faire un travail, ce qu'on appelle biomedical engineer. Ça, bon, il y a peu de travail qui est dans l'hôpital, mais so, nous aussi besoin de monde, par exemple, avant de planification, de statistique, de communication. Nous avons besoin de monde légal dans la santé à cause de notre quantité issue qui m'a offert bonne la loi, bonne la loi pour la santé, etc. Nous avons besoin de tout ça là. So, il y a une quantité de quelque chose que vous pouvez faire dans la santé à PAD, docteur, nurse, etc. Il y a une quantité de bonne quelque chose, il y a une quantité de bonne profession, il y a une profession qui éventuellement pour besoin d'améliorer soin la santé primaire. Exactement, tu as une cause de la santé primaire, nous tous un petit peu. Dans le district, nous causons de la communauté, un texte qui tombe, il dit bonjour, Carole, pour arriver côté centre de la santé et vitement, vrai pour voir un officier de la santé, mais pour voir un officier de la santé, il est capable de prendre 2 à 3 ans. Ça aussi, il faudrait arranger. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, là, docteur? Moi, tout à fait d'accord que ça y a un problème, et ça y a un problème que, oui, nous avons besoin d'arranger. Mais c'est, nous avons besoin de faire une réflexion, là. So, qui manière les autres pays, un peu bon pays développé, ils adressent sa problème. So, ils adressent sa problème en mettant un système rendez-vous. So, l'état où on a un clinique, bon matin, quand il y en a 50 personnes peut espérer, ou qu'on a pour dire, des 300 personnes, emergency, well, pas emergency, mais il y en a un cas qui a besoin d'en voir aujourd'hui. Mais il y en a 50 personnes aussi, peut-être, qui sont capables de bien servir. Si tu ne mets un rendez-vous, ou bien si tu as un système rendez-vous. Donc, alors, nous avons besoin de voir, est-ce qu'il est capable d'en accéder un système rendez-vous qui fait que si un dimanche, il y a quelque chose qui est paysan, il gagne un rendez-vous, et ça joue qu'il gagne ce rendez-vous, il vient, il voit son docteur, ou bien son nurse, ou bien n'importe quel professionnel, dans 5 minutes, dans 10 minutes, etc. Pour nous adresser ce problème, du monde espérer des aidants, n'a pas l'autre façon qu'il y en a. Un système rendez-vous. Et nous avons besoin de réfléchir à qui moyenne pour faire un système rendez-vous. Masse, si c'est une bonne façon pour améliorer. Voilà. Yeah. Mm. Après, docteur, est-ce qu'il y en a aucune quelque chose en ce moment-là, dans la santé, soit la santé primaire, qui vous croyez que vous avez aboli? Well, moi, j'ai ma propre opinion, mais ce n'est pas qu'à préempter sa discussion. Moi, chaque matin, peut-être nous réfléchir ensemble là, dans sa conférence, et peut-être que nous disons autres-mêmes. Qui autres croient qu'ils devraient gagner à Boli et ensemble nous faire ça l'autre discussion pour voir si vraiment ça quelque chose que tout le monde dit faudrait gagner à Boli nous devrions aboler. Sinon qui manière quoi la santé primaire il mérite été. Oui tout ça va une discussion nous pour faire dans sa conférence mais c'est bon mon parler dit mon opinion le qui mon croit il devrait arriver sans qu'il nous écoute ça qui bande du monde en a pour dire. Et avant nous terminer docteur. Concernant sa 3 jours, conférence même, le soin la santé primaire qui pourrait faire contre l'hôtel Avani, les 11 à les 13 idiètes. Donne-nous un petit peu plus de détails qui m'ont dit pour qu'on connaisse. OK. Bon, pareil, nous pouvons dire qu'il y a une conférence 3 jours. Premier 2 jours, il pour bon participant qui nous invite. Et 3e jour, sa conférence, vraiment, nous pour prendre bon monde qui travaille dans la santé, nous prendre même autres, la côte Avani, pour autres dit. Le ça quelque chose qui gagne discuter avant et bon c'est quelque chose qui même gagne décider ou bien qui gagne proposer avant qui ont l'opinion est-ce qu'ils ont quoi ça quelque chose de réaliste est-ce qu'il pas réaliste est-ce qu'il est capable gagne implémenter ou bien est-ce qu'il pas capable gagne implémenter yeah. By the time qu'il nous présente bonne résolution sa conférence avec gouvernement pour gouvernement considérer et avec aussi bonne les autres autorités pour autres considérer nous va en certitude qui bonne professionnel qui travaille dans la santé primaire de bonne santé la santé in gain sens dit quelque chose de sa bonne proposition et pendant sa 3 jours conférence le temps sur 3e jour le temps fini bien sûr puis faire conclusion est-ce qu'il y en a une autre façon qu'ils ont raison encore pour autres mettre la table avant les présents gouvernement ça document well bien sûr à cause il y a un travail que nous pour faire avec WHO à cause d'une ici c'est celle et spécialement pour ça, pour mettre ça dans contexte un plan que nous pouvons faire, que nous pour dresser et nous supposer bien sûr implémenter ça quelque chose qui gagne décider ou bien qui gagne mais nous besoin faire d'une façon
qui nous dit, voilà, dans court terme, ça que nous croyons possible, dans moyen terme, ça que nous croyons possible, et dans long terme, ça que nous croyons possible. So, nous pour présenter le résultat de sa conférence avec le gouvernement, Paris y était. Mais c'est très possible que nous pouvons faire les autres consultations avec Ban Ki-moon après que le gouvernement entende qui c'est ça que sa conférence nous dit. Comme si nous pouvons présenter le résultat de sa conférence avec le gouvernement, mais ça, le résultat, il ne peut pas dire que le lendemain, il pourrait implémenter. Il y a besoin des autres consultations qui vont faire avant qu'il y ait une police pour nous adopter. Voilà, docteur Bernard Valentin, moi bien content de gagner là bon matin, nous causons sa conférence qui peut faire durant 3 jours contre l'hôtel Avani lui-même qui savait dire sa conférence, qui bit sa conférence et ou qui est la cour qui nous texte nous pour demander clarification, merci pour texte nous et docteur Valentin, mon surtout bonne chance pour sa 3 jours conférence et nous souhaiter que discussion, outils, conclusions pour capable améliorer la santé primaire ici c'est cela. Moi je vous remercie beaucoup pour demander ça l'opportunité pour cause de sa conférence et moi je suis content aussi de remercier comme le secrétaire principal de la santé, moi je suis content aussi de remercier SBC pour tout ce support qu'il donne au ministère de la santé et moi je suis content aussi de remercier nos bonnes publics qui travaillent avec nous et qui continuent de travailler avec nous, qui font des bonnes propositions vraiment utiles pour nous capables tout le temps d'améliorer le système de la santé. Moi aussi, merci. Docteur, nous content. Vous donnez nous un slot de mardi, nous causez la santé et à travers autres qui nous causent bonne topic, nous découvrons, nous comprenons bonne maladie, les autres topics à travers le système de la santé. Donc, nous disons merci beaucoup pour votre contribution. Vous donnez nous un dimanche tous les mardis pour nous causer la santé. Merci beaucoup et nous plaisir.